بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسر مفرع للوانج للمرسيمون Les éloges ne sirent qu'à celui qui a créé la vie et la mort pour nous mettre à l'épreuve. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, contre les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le prophète, de sa famille, ses compagnons. Et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live donc, du mardi et que nous avons intitulé, en tout cas, les signes avant-coureurs de l'heure ou de la fin du monde dans notre nouvelle série. Nous sommes dans l'épisode 4 dans notre nouvelle série donc, qui est l'au-delà. L'au-delà, c'est au-delà au de la vie d'ici-bas qui ne représente pas grand-chose. Hein. Et donc pour y arriver, pour arriver à l'au-delà, il faut bien entendu la fin. Il faut une heure, qui est, revient souvent dans le Coran. Allah parle de as-sa'a l'heure. Et donc c'est pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça a déjà commencé l'au-delà, puisqu'on a vu la semaine dernière. Et vous avez été très nombreux à nous suivre et très nombreux à consulter donc cette vidéo qui est donc sur la tombe, qui est l'antichambre de l'au-delà, si on peut l'appeler ainsi, l'antichambre de l'éternité, puisque euh, il va y avoir, c'est la suite, de ça va être l'émission numéro 5, il va y avoir la résurrection. Mais avant la résurrection, il faut bien entendu que les gens meurent. Certains sont déjà morts, nous allons mourir et il y aura une fin du monde, donc tout le monde va mourir. Et ça, inchallah on en parlera une autre fois. Mais aujourd'hui, c'est consacré donc Puisqu'il va y avoir à Sa'a, qui est l'heure, mot à mot. En arabe, Sa'a, c'est d'ailleurs le nom qui a été donné à la montre. C'est l'instant. c'est pas une heure par rapport aux 24 heures. Sa'a, c'est un instant. Un instant, et Allah en parle souvent dans le Coran. Et donc, les savants parlent, disent qu'il y a trois types de Sa'a. Il y a trois types de Sa'a à Sa donc l'heure. Son heure est arrivée, on dit, c'est-à-dire sa mort. L'heure est arrivée, on n'y peut rien. Le destin, c'était son, son heure. Donc ça, c'est Ça, ousta l'heure médiane, entre guillemets, c'est l'heure de la disparition d'un de, de certain nombre de, de gens, d'une génération, par exemple. En arabe, quand on parle de Al-Ousta, c'est les premiers, ils ont disparu. Ou ça, c'était avant. C'est que ces gens, ils ont disparu. Leur heure est arrivée, mais donc ça c'est bien plus que l'heure individuelle qui est asa as asoura. As et Sa'a al kubra c'est donc la fin du monde. Ça c'est celle-là dont Allah subhanahu wa taala parle souvent, donc dans le Coran dans de très nombreux versets et leur proche comme Allah le dit notamment dans le premier verset de la surah al-qamar, surah 54. saa wa qamar. Donc le l'heure approche et la lune s'est fendue à propos donc d'un de, des miracles que Allah a réalisé hein, la lune s'est fendue quand le prophète sallallahu a été traité de menteur et les deux parties de la lune donc ce sont les avus à Safa et l'autre à Marwa il a dit attester donc de la véracité de sa mission alayhi wa sallam ça Allah en parle euh, comme ça, donc c'est la fin du monde c'est l'heure avec un grand H. Et ceci n'est su que de Allah. En particulier, ça fait partie des cinq choses qu'Allah seul sait. Les cinq clés de l'inconnaissable. Et Allah en parle notamment à la fin du dernier verset de la Surah luqman Surah 31, verset 34. Quand il parle donc, euh, donc, Allah, subhanahu wa Allah dit que euh, l'heure, lui seul le sait. Et également, on le trouve dans la surah 33 à l'Ahzab, verset 63. Les gens te demandent à propos de l'heure. C'est Allah seul qui dit l'heure, c'est Ya Muhammad que c'est Allah seul qui sait l'heure. Donc, euh, il se peut que ce soit proche. Il se peut que ce soit proche et Allah seul sait. Donc, ça fait partie des cinq choses, cinq clés de l'inconnaissable qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Personne ne sait où il va mourir, personne ne sait quand ce que sera l'heure, ni Jibril ni qui que ce soit. La preuve, c'est que le fameux hadith que nous connaissons, qu'on appelle le hadith de Jibril, quand un homme habillé de blanc, que personne ne connaissait, est venu trouver une des meilleures assemblées, qui était celle du Professeur sallam et personne ne le connaissait. Il est venu en face, quand il a posé des questions, qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que euh, la foi, l'iman, et il a demandé qu'est-ce que l'excellence en tout. Il a demandé matassa à, à quand, la fin du monde. Le prophète, il ne parlait pas de lui-même, il était sincère, n'a jamais menti. Donc, comment pourrait-il mentir sur Allah Il a dit l'interroger, c'est-à-dire moi, ne sait pas plus que celui qui interroge, ni Jibril, ni Mohammed, ni personne. Donc, ne sait, Allah seul sait. Donc, ça va arriver, Bagota, c'est-à-dire de façon surprenante, de façon imminente, et quand on ne l'attend pas. On a bien sûr des signes avant-coureurs, c'est l'objet donc de notre épisode d'aujourd'hui. Allah en parle donc, Barota, il parle donc de, dans cette surah, dans la surat Muhammad, sourate donc 47, dans le verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela. Et quand on parle Ashrat Sa'a, Sa'a, c'est dans le même verset, surah de Muhammad 47, donc verset 18, Allah dit, rajaa. Et donc, les... certains signes de l'heure sont déjà arrivés. Donc, c'est de cela dont on parle. Et Allah parle de Asharat, Sa'a, c'est-à-dire que les signes avant-coureurs de l'heure. En bon français, je dirais, c'est ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes de l'heure, c'est-à-dire, c'est ce qui arrive avant. Donc, les prodromes sont nombreux. et Il y a deux sortes de prodromes. Il y a des, ce qu'on appelle donc. Euh, les signes avant-coureurs mineurs, tout ça donc c'est mineur et elle est majeure. On ne va pas rester longtemps sur les. Le temps est précieux, votre temps en particulier. Donc sur les signes mineurs, ce sont des signes qui ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas là non plus en train de les scruter, en train de les interpréter, en train de faire de la conjecture. Il a pas Ah non mais Allah le prophète a voulu dire ceci, d'ailleurs on voit ceci, on voit cela. Simplement, on sait que le reproche, la preuve, c'est que là on va forcément vers la fin du monde, il n'y a pas de marche arrière. Ces signes sont des signes, ce sont des événements qui sont normaux, entre guillemets. Ce n'est pas du surnaturel. Ce sont des signes normaux. Donc on va pas s'étaler, on va citer quelques-uns de ces signes. Certains sont arrivés, d'autres ne sont pas arrivés. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des petits signes, comme on les appelle, hein. petits signes, puisque il est le sceau de la prophétie. Si lui vient, ça veut dire qu'il n'y aura plus le prophète après lui. Nécessairement, c'est que on va. Si Allah a envoyé le dernier des messagers, le meurtre entre eux, c'est que là, le reproche. Et également, sa mort nous rapproche encore plus de la fin du monde. Et effectivement, cela fait partie également des signes. La disparition donc de ce qui est, ce qui cause la chose la plus Intéressant dans ces monde, c'est-à-dire la science. Le monde n'est-il pas maudit Maudit, c ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, comme l'a dit Abu Huraira, qu'il le tient du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, on revient souvent dessus. Ce monde est maudit, n'est-ce pas que ce monde est maudit a dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Maudit, ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, la lecture du Coran, la prière, la méditation, etc. et L'enseignant et l'enseigné, l'enseignant et l'élève. Donc, la, la disparition des héritiers des prophètes, que sont les savants, et la multiplication de l'ignorance, au point qu'on va prendre n'importe qui comme savant, et égaré il est, et il va égarer. Il y a également le, donc, le fait que la fornication va se répandre. Effectivement, on assiste. Donc, avant, s'il y avait des mariages, etc., aujourd'hui, les gens, non seulement ça va se reprendre, mais en plus, on va le trouver normal pareil pour les instruments de musique et la musique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on va rendre en plus licite non seulement le fait mais les musulmans à la fois faible celui qui croit aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala mais celui qui pense que c'est permis alors que des preuves sont là et qui sont montrées la personne donc risque de sortir de la de la foi c'est également pareil pour les boissons enivrantes Allah l'a interdit, comme on le sait, contrairement à ce que certains prétendent, effectivement, il y a, quatre, il y a eu quatre étapes d'interdiction du vin, quatre versets dessus, trois étapes. Donc la dernière étape qui est citée dans la sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que le, le vin, les, les jeux de hasard, les, les, les idoles sont donc des abominations qui sont... Donc, des tentations de Satan, abstenez-vous. bou » c'est encore plus fort que c'est interdit. bou » c'est éloignez-vous d'eux. Donc, les savants sont unanimes pour dire que tout ce qui est enivre est assimilé au vin et tout ce qui est enivre est interdit de façon définitive. Qui va le permettre Mais non seulement les gens vont s'enivrer, mais en plus de ça, ils vont le rendre permis. Il y a des événements que vous connaissez qui sont déjà arrivés, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa Comment on les a il y a bien sûr des dizaines, voire des centaines de signes qui ont été dits, c'est dans des hadiths du genre, l'heure ne va pas arriver avant que. Par exemple, pour Constantinople, qui est devenu Istanbul, il a dit l'heure ne va pas arriver avant que Constantinople ne soit musulman. Et effectivement, on sait qu'aujourd'hui, c'est en Turquie, il s'appelle Istanbul alors qu'il s'appelait avant Constantinople. Donc il y a un certain nombre de, de choses qui sont citées par le professeur Allah. Certains sont arrivés et d'autres ne sont pas encore arrivés. D'autres ne sont pas encore arrivés. Des, les morts subites, ça c'est déjà arrivé, c'est dans la guerre, ou euh, la multiplication des, des éclipses, et la multiplication des tremblements de terre, et beaucoup d'autres signes donc, que, que nos anciens euh, disent que c'est leur approche, effectivement. C'est des choses qu'on n'a pas vues, qu'eux, ils n'ont pas vues, et qu'ils voient, et même nous. Euh, par exemple, comme l'a dit le professeur Assalam, le temps qui passe vite. Le temps qui passe vite, avant, quand nos anciens nous le disaient, on avait l'impression qu'ils ont peur de la mort. Non, le temps ne passe pas vite, nous on a 18 ans, on a 16 ans, on a envie de vivre. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve, que nos enfants disent que le temps passe vite. On est au matin, qu'on est déjà au soir. Et on était, quand on demande, ah, on ne s'est pas vu depuis combien de temps Depuis quand tu n'as pas voyagé Ou depuis quand ceci, si, tu dis, euh, 3 ans Ah, mais je pensais que c'était hier. Donc ce temps, nous le savons tous, ça fait partie donc de la contraction du temps, ça fait partie des signes, des petits signes de la fin du monde. On ne va pas s'attarder sur ces petits signes, ils sont nombreux et on ne peut pas les dénombrer en tout cas en une émission. Et euh, on va parler donc des grands signes, des asharatun, kubra, les grands signes. Le hadith de Hodeifa ibn Asid al Rifari qui a été rapporté par les musulman, il dit à Kalalaghré, nous étions assis, en train de discuter, et le prophète alayhi salam, est venu dans une autre version du même imam muslim, nous étions au rez-de-chaussée, entre guillemets, le prophète alayhi salam, était au-dessus, et quand il est descendu, il a dit, de quoi vous discutez Nous avons dit, nous discutons de l'heure, ça, nous discutons de l'heure. Il a dit que l'heure n'arrivera pas avant qu'il y ait dix signes, dans le même hadith, ça ne veut pas dire qu'il y a que ces dix, mais c'est ce qu'on appelle donc les dix grands signes les signes majeurs de la fin du monde. Il a dit, l'heure n'arrivera pas avant donc le lever du soleil de son occident, de la, la sortie de la bête, la fumée, la sortie donc, de l'Antéchrist, de la descente de Jésus, fils de Marie, celui de la paix divine, les, les, la sortie et l'envahissement de Gog et Magog, euh, un effondrement. À l'Est, un effondrement donc à l'Orient, en Occident et un autre en, en Arabie, la fumée et enfin le feu donc, qui va sortir du Yémen, actuel Yémen, et qui va chasser les habitants vers le lieu de rassemblement. Voilà d'ici donc qui sont dans le même hadith avec différentes versions. L'ordre n'est pas forcément le même, ça peut être une question de mémoire ou autre chose. Toujours est-il que est, ce sont des choses qui ont été attestées. Attesté donc par, dans, dans les hadiths qui sont authentiques, hein, ces 10, ce sont les, c'est donc, ce dont on parle en tant que 10 grands signes de la fin du monde. Ceux-là ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés et ils sont surnaturels. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'attend pas qu'une bête se mette à parler, que le soleil refuse de se coucher, que euh, Gog et Magog envahissent la terre, comme on le verra, ch'Allah, que. Euh, Jésus descend, bien sûr, c'est un des signes de la fin du monde. Et les savants, pour, les, pour nous les faire comprendre, disent euh, notamment euh, l'auteur de, de fatal al-Bari, donc celui qui a commenté le Sahel Bukhari, euh, le, le, le chef de donc le Amir al-Mu'minin, et il est bien connu donc pour cela. Il dit euh, que on peut le ranger donc, en deux, les dix grands signes, on peut les ranger en fait en deux catégories. Des signes qui concernent l'approche de l'heure et des signes qui nous démontrent ou nous montrent l'imminence de l'heure. L'heure s'approche et après, l'heure est imminente. Elle est imminente. Et de toute façon, comme l'a dit le professeur Allah Sallam dans ce qui a été rapporté, notamment par l'imam Ahmed, euh, d'après le hadith d'Abu Hurayrah et également par ce qui a été rapporté par Muslim dans ce qui a été rapporté par Abdallah ibn Amr ibn As ta'ala qu'Allah soit satisfait de lui ainsi que de son père et il dit que quand, une, le, quand le soleil va refuser de se coucher, il va se lever de son occident comme on le traduit et la bête ce sera le même jour ou ce sera le premier signe donc là on le comprend mais il a dit surtout que les signes vont se succéder comme les perles d'un chapelet. Une fois qu'on coupe le fil d'un chapelet, on imagine bien sûr que les perles vont se suivre. Et donc les, 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 les signes vont se suivre ainsi avant d'arriver à la fin du monde, c'est-à-dire qu'il va être caractérisé par celui qui attend déjà, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé un jour, il a dit Malheur aux Arabes Il y a eu un trou dans le barrage qui a été construit par Dhul Qarnayn, dont on parle dans la sourate Kaf 18. Et donc il y a eu un trou comme ça. Et elle était, il était chez notre mère, Oum Salama, et qui dit à Rasulullah Est-ce qu'on va être châtié alors qu'il y a des gens de bien parmi nous Il a dit Oui, bien sûr. Si les gens n'ordonnent pas le bien et n'interdisent pas le mal. Donc lui-même, il s'est réveillé, euh, je dirais, euh, inquiet et il pensait. Euh, entre lui, il a déjà dit, salam, entre moi venu et l'heure, il n'y a que ça de différence. C'est-à-dire en montrant le majeur et l'index. C'est-à-dire qu'il reste très peu. pensait, il y a déjà 15 siècles, salam, que Allah donc, a conclu euh, sa religion en envoyant le meilleur hommes, Mohammed il est mort donc, il y a 15 siècles environ. Donc, on connaît en 1444, hein, bientôt en 1445, mais lui pensait parce que l'heure. C'est pas quand au jour du jugement dernier, quand on va réveiller les gens, quand les gens vont être quand on leur demande depuis combien de temps, combien de temps ils ont passé sur la terre, ils diront une heure, une matinée, une heure par rapport à l'éternité. Comme je dis souvent, puisqu'on parle aujourd'hui de mathématiques réintroduites dans les lycées, je dirais l'intérêt que moi j'ai vu dans les mathématiques, entre autres, c'est epsilon et l'infini. Donc ce bas monde ne représente que Epsilon par rapport à l'infini, donc qui est l'éternité. Donc les grands signes, on va se contenter et on va se concentrer sur les grands signes, même sur certains grands signes pour ne pas euh, abuser, les grands signes sont de deux types, ceux qui donc sont de l'approche, qui soulignent vraiment l'approche de l'heure parmi ceux-là, et le premier des signes terrestres, c'est la venue donc, de l'Antéchrist, Masihid Dajjal. Ensuite, parmi ces signes de l'approche, c'est la descente de Jésus. Allez, il sera tout cela. Et également, c'est la sortie de Gog et Magog. Ces trois signes, on va les développer un tout petit peu plus. Et il y a également, donc, parmi ces signes-là, il y a le, la deuxième catégorie de signes qui est l'imminence. L'imminence, c'est-à-dire, ce sera le, le lever du soleil de son occident. La sortie de la bête, la fumée et le feu qui chasse les gens donc, vers le lieu de rassemblement. C'est là où donc, les gens seront rassemblés pour la résurrection. Donc il y a deux groupes. Le premier concerne ce qu'on va voir, qu'on va vivre, qui sont des choses terribles. Et comme on le verra, à la fin du temps, il n'y aura pas un seul croyant. Un vent, Allah va envoyer un vent. Soufflé qui va reprendre l'âme de tout croyant tellement la fin du monde est terrible mais tel n'est pas notre propos aujourd'hui on le verra inchallah une autre fois mais aujourd'hui on parle des signes avant-coureurs donc il y a deux catégories les signes mineurs dont on a parlé c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup sont arrivés et il en reste bien entendu qui ont été décrits qui vont arriver il y a les signes majeurs donc qui sont divisibles par deux les signes qui montrent l'approche l'approche donc de l'heure dont la Sorti donc de Masih Dajjal, le Messie, l'Antéchrist, Jésus, alayhi salam, sa descente. Ensuite il y aura les Gog et Magog, et ensuite donc il y aura des affaissements, donc qu'on appelle en arabe le khashf et le Khosuf au pluriel. Donc il y en a un en Orient, un en Occident et un en Arabie. Donc la majorité donc ces signes-là sont l'approche. Mais une fois que le soleil va se lever donc de, de son occident et il y aura donc ensuite la sortie de la bête et il y aura donc la fumée et le Yémen. Donc quatre, les six autres sont de, de l'approche. Les quatre signes dont dont je viens de parler, on va peut-être commencer par cela. Ça, ça veut dire que vraiment l'air est imminent, c'est l'imminence de l'heure. Le soleil va se lever de son occident. J'imagine que la Terre va s'arrêter de tourner et que les physiciens et les astrophysiciens vont faire des calculs ils vont dire qu'est-ce qui ne va pas. À ce moment-là, tout le monde croira. Tout le monde croira, mais la croyance ne servira pas à grand-chose pour celui qui n'a pas cru auparavant. On va faire des calculs, on va essayer d'expliquer. Quand il n'y aura plus d'explications, tout le monde va croire, mais la croyance ne servira pas. Donc, le prophète, dans ce qui a été rapporté par Abou Horaïra Kalalagré, il a dit que « Allah tend la main le soir aux pêcheurs du jour et le jour aux pêcheurs de la nuit pour leur pardonner jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. » Et dans une version, « Jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. » Donc, pourquoi on parle de ce signes là C'est pour que les gens se précipitent, se précipitent pour... Revenir vers Allah pour faire les bonnes choses avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que la matin le gosier, il n'y a plus de repentir. Une fois que le soleil va se lever, tout le monde va croire. Même les plus sceptiques, même ceux qui prétendent ne pas croire, croiront forcément à ce moment-là, mais leur croyance ne servira à rien. Il ne servira pas à grand-chose. Et ceci est mentionné, entre autres, le lever du soleil, en tout cas, c'est l'explication des Mufassiroun Siroun, car le fasse miséricorde, ce qui explique le Coran, ceci est mentionné, donc notamment. Euh, dans, la, dans la surat 6, Am, verset 158, Allah dit Certains signes, certains signes, donc de la fin du monde, quand cela apparaîtra, et la plupart des Mouhasiroun expliquent cela par le fait donc, que le soleil va s'élever de son Occident. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de repentir. La porte de, du repentir sera fermée pour tout un chacun, seuls ceux qui croyaient leur croyance va leur servir à quelque chose. Une fois, donc ça c'est le premier signe céleste. Le premier signe céleste a dit le prophète c'est la sortie, c'est le lever du soleil de son occident. Et il se passera le même jour avec le, la sortie de la bête. La bête adab est mentionnée dans la sourate Anaml, sourate 27 les fourmis. Verset 82. La bête sortira et elle, dit, elle, dit, elle parlera aux gens. Donc, c'est le phénomène surnaturel. Allah va faire qu'une bête va sortir. Certains disent qu'elle sortira à la Mecque. D'autres disent qu'elle sortira trois fois. Bref, elle va sortir, elle va parler aux gens. Les gens ne croient pas au signe d'Allah. La bête va parler. Et à ce moment, elle va marquer, illuminer les, le visage des croyants et va assombrir le visage des non-croyants. Puisque, il n'y a plus de repentir. Et par conséquent, ceux qui n'étaient pas soumis à Allah, c'est définitif. Ceux qui sont soumis, on espère pour eux, ce sera donc également définitif. Et donc la bête va parler aux gens. Et là, il n'y aura plus la porte donc, de la taouba et c'est la fermée. Le soleil, le même jour, la sortie de la bête. Il y a également parmi les dix signes, on l'a vu, à dukhan, -Dukhan c'est la fumée. Et c'est le titre de la surah 44. Donc c'est verse, les versets 10 et 11 de la Surah 44. Les explications dessus sont nombreuses. Certains disent que ce n'est pas arrivé, c'est un des grands signes, puisque c'est une fois. Faroutakebe, c'est-à-dire observe, attend, soit vigilant. Au jour où le soleil ou le, le ciel va être, donc, fait, t'as que vous avez un ou le ciel, donc du ciel descendra une fumée qui va couvrir les gens. Yachshanas. Ha'ada, ha'ada, vous alim dit Allah, dans cette surah 44, à dukhan qui porte son nom, voilà un, un châtiment terrible. Et les gens diront... Seigneur, écarte-nous de ce châtiment. Maintenant, nous sommes croyants. Donc ça, ça ne servira plus à rien. L'explication la plus forte, c'est que ça va venir à la fin du monde, après l'apparition, après le lever du soleil de son occident, après la bête, il y aura du Khan. Et ensuite, donc, certains savants, ils ont dit que non, ce, on a vu un moment quand ils ont refusé de croire au professeur Allah à la main, ils ont demandé des signes, et Allah a amené une sécheresse pour les punir, de telle façon que les gens voyaient une fumée sortir de la terre. Mais là, Allah parle d'une fumée qui descend donc du ciel. La, la, la version la plus forte est certainement donc, après la sortie de la bête. Et le dernier des dix signes, qui est le quatrième des signes majeurs, c'est le fait qu'il y a un feu qui va sortir, de l'actuel Yémen, de Aden, que vous connaissez, de, du Yémen, et qui va, les gens vont fuir vers le lieu de rassemblement. C'est sur ces entrefaits que l'ange chargé de, de souffler dans le corps va souffler. On sourd. Allah dit dans la Surah Zumar 39, on va souffler dans le corps tomberont évanouis tout ce qui est dans les cieux ou tomberont morts tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, exception en faite de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu. Et ensuite, donc, mm -hmm. et après le deuxième soufflement du corps, mais ça on en reparlera, incha'Allah, dans, dans le prochain épisode, les voilà debout en train de regarder. Et l'heure arrivera, donc... Et le premier qui va entendre le soufflement du corps, c'est un Bédouin en train de crépir euh, l'abreuvoir la, euh, de ses chameaux. Donc à ce, les gens donc vont tous mourir, mais avant cela, Allah va envoyer un vent, un vent léger, qui va donc prendre l'âme de tout croyant, celui qui a tant soit peu de foi, comme euh, on le verra, Allah, la fin du monde est terrible. Si vous voulez avoir un aperçu, lisez les dernières la dernière sourate notamment le dernier jour à 78 à plus bas ou plus haut dans le nombre entre 78 et 100 et quelques pour avoir une idée une vraie idée de ce qui va se passer à ce moment on prie Allah subhanahu wa taala de ne pas être présent pendant ce temps là parce que ça va être terrible ça va être terrible mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui donc ça ce sont les, grands, les quatre grands signes qui montreront donc là euh, L'imminence de l'heure. Mais à l'approche de l'heure, ce qui nous intéresse ce soir, il y a des signes qui sont les grands signes. C'est la sortie de Ad-Dajjal. Masihi Ad-Dajjal. Pour le Masihi dajjal il y a, euh, pour expliquer le Masih, donc le Messie, il y a eu 23 sens, c'est-à-dire qui ont été donnés au Masih. Donc, certains ont dit que c'est le menteur, d'autres disent que c'est le rebelle. Euh, voilà, d'autres disent que c'est le borgne. Tout ceci reste vrai. Et donc, parmi les signes du Dajjal, il y a eu dix explications qui ont été données par les savants. Parmi lesquelles, donc, Dajjal, c'est le grand menteur Dajjal, c'est le charlatan Dajjal, c'est celui qui parcourt la terre. Euh, donc, il y a eu plusieurs signes, mais tout cela pour expliquer quoi C'est un homme descendant de Adam. C'est un fils d'Adam. Petit détail, a expliqué le professeur salam, et s'il était sorti pendant son temps, il l'aurait confondu. Petit détail, et donc il y a les jambes arquées, et qui va sortir à l'est par rapport à l'Arabie, donc Khorasan, euh, qui est le nord-est actuel de l'Iran. Khorasan, donc euh, Isfahan, ou Asfahan, le nom de la ville exactement. Donc, il savait de quoi il parlait, alors qu'il n'avait pas voyagé, il n'avait pas vu donc, ce test-là de la terre. Mais Allah le lui a précisé. Donc, nous savons que c'est un homme euh, blanc, dont la couleur tire vers le rouge, qui a les cheveux frisés, et donc avec les jambes arquées, et qui a une poitrine qui est large. Il va sortir donc de Isbahan, donc du Khorasan. Et c'est quelqu'un qui va se prétendre d'abord, c'est un jeune déjà, et il va se prétendre prophète. Bon, les le faux prophètes comme euh, Mousselim al-Kadzaab et d'autres, ce sont des petits signes qui sont passés des fausses prophétesses. Donc tout ça, c'est des petits signes. Mais là, c'est un grand signe, Masihid Dajjal, et de ce qui a été rapporté par euh, Al-Bukhari et Muslim, des sources les plus authentiques. Depuis la création d'Adam, c'est la plus grande tentation que la Terre va connaître. Il va se prétendre prophète. Ensuite, il va se prétendre Dieu. Il va se prétendre Dieu. Et comment se protéger contre lui Parce que c'est une chose qui est terrible. Tous les prophètes ont parlé de cet événement, de cette tentation terrible. Tous les prophètes. Le prophète Salomon nous a dit, dans ce qui a été authentifié, « Mais moi, je vais vous dire une chose. » que personne, aucun prophète n'a dit auparavant, il est borgne. Et Dieu n'est pas borgne. Votre Seigneur n'est pas borgne. Il est parfait. Donc, là, le prophète que Dieu le bénisse nous a décrit, donc quelqu'un qui a une poitrine large, qui n'est pas grand, qui a les cheveux frisés, qui est blanc et dont le teint tend vers le rouge, et donc qui est borgne. Il a l'œil droit qui est borgne, et surtout... Comme il nous l a dit à l'histoire de Salam, il a écrit entre son, ses deux yeux trois lettres, kaf en arabe, fa et ro. Kafara, c'est-à-dire non-croyant ou mécréant, c'est ce qui est écrit que tous les croyants pourront lire ils seront les seuls, qui soient illettrés ou pas, qui comprennent arabe ou pas, ils pourront lire kaf, fa et ro. Il sera distingué par le fait qu'ils soit euh, borgne et également entre ses deux yeux un borgne et, et seront écrits donc ces trois lettres là ou ce mot kaf kafara ou kafir voilà, donc ça ce sont les caractéristiques de cet homme qui va être une tentation terrible et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis par tous les prophètes et en particulier pour lequel donc on demande protection auprès d'Allah et cet homme va venir avec le paradis, entre guillemets, il va venir avec l'enfer, il va se prétendre Dieu, il va, il, va, il va parcourir la terre à une vitesse phénoménale. À une vitesse phénoménale, comme la pluie qui est poussée par le vent. Il va rester donc 40 jours. Ensuite, il va être tué par Jésus, fils de Marie, le vrai Messie. Lui, il est le Messie de l'égarement, Jésus est le Messie de la guidance, sur lui, la paix divine. Et on en parlera tout à l'heure, Charles. Donc, le Messie de l'égarement, de il va rester 40 jours. Le prophète Ali, nous a dit il va rester 40 jours, un jour comme un an. Ensuite, un autre jour comme un mois. Ensuite, un autre jour comme une semaine. Et le reste des jours, des 37 jours, comme vos jours normaux. Je vous laisse avec la calculette un jour comme un an. Un jour comme un mois et un jour donc comme une semaine et ensuite les 37 autres jours seront vos jours normaux. Je vous en parlerai dans cinq minutes, je vous donnerai le résultat. Donc je vous laisse calculer combien de jours ça ferait. Et quelqu'un lui a demandé et pendant ce jour qui fait un an, est-ce qu'on va se contenter de faire cinq prières? Il a dit non. Vous allez calculer plutôt. Vous allez calculer. Donc il va venir. Et il va venir avec donc le feu, en fait qui sera l'eau. Il va venir avec un eau, une eau plutôt, et qui va considérer comme de l'eau. Il va être suivi par de très nombreux jeunes. Il va être suivi par de très nombreuses personnes. Et c'est vraiment une tentation forte. Comme il va faire des miracles, il va tuer quelqu'un, il va le ressusciter. Il va lui demander, est-ce que maintenant tu crois que je suis Dieu? Il va dire non. Maintenant, je suis convaincu que tu n'es pas Dieu. Tu es bien l'antéchrist. Et donc, il va parcourir toute la terre. Il n'y a que deux villes où il ne pourra pas rentrer, protégé par les anges. Ce sera la Mecque et Médine. Maka et Médine. Et celui, donc, qui entend parler de lui, surtout ne cherche pas à l'affronter. Quelqu'un qui se croyait résistant et croyant, avec les miracles qu'il va faire, entre guillemets, plutôt le charlatanisme qu'il va faire, transformer, euh, il va même appeler des objets qui vont lui répondre, des animaux qui vont le suivre et à qui il va parler qui vont répondre. Donc ceux qui ne connaissent pas la religion ils risquent de le suivre. C'est pour eux ils seront très nombreux. Malheureusement, même parmi ceux qui prétendent croire. À ce moment-là, comme l'a dit le professeur Salam, si vous n'entendez pas de lui, fuyez. Fuyez pour vous réfugier. Ne vous basez pas sur votre croyance parce qu'elle va être mise à l'épreuve. Et il nous a enseigné, entre autres, comment se protéger. Donc il va amener quelqu'un qui se dira croyant. Il va dire Si je ressuscite ton père et ta mère, est-ce que tu vas croire en moi Il va dire Oui. Alors il va travaille avec Satan, qui va venir sous la forme de son père, qui va dire crois en cet homme, c'est Dieu. Sa mère également Satan va prendre sa forme. Ils vont dire crois en cet homme parce que c'est Dieu. Et cet homme donc finalement finira par croire alors qu'en réalité ce n'est pas Dieu. Bien entendu, comme l'a dit le prophète Dieu n'est pas borné. Dieu n'est pas borné. Il est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Et entre autres, comment est-ce qu'on va se protéger contre? Donc le mot de l'antéchrist, c'est en s'accrochant à sa religion, bien entendu, c'est en connaissant son Seigneur. Allah n'est pas borgne. C'est en sachant que même Moïse Moussa, quand il a demandé à Allah, quand Allah l'a invité et qu'Allah lui a donné les, les, les tables, il a dit, il a demandé à Allah de le voir. Allah dit Tu ne saurais me voir. Si Allah subhanahu wa ta'ala, le seul Dieu digne d'adoration, n'est pas vu par Moussa, qui pourrait prétendre qu'il va le voir dans ce moment monde là? Donc le fait de savoir qu'il est unique, qu'il est parfait, qu'on ne le voit pas dans ce bas bon monde et qu'on le verra, inshaAllah au paradis, sa noble face, qu'on va la contempler, peut permettre à quelqu'un de savoir que celui qui se présente ici ne peut pas être un Dieu. Dieu. Dieu ne se présentera pas dans ce bas bon monde-là. Donc on va se protéger contre quoi Le prophète a dit que celui qui récite. Les dix premiers versets dans une version rapportée par l'imam musulman, dans une autre rapportée par le même imam, les dix derniers versets de la surat 18, surat Kaf, de, du début jusqu'au dixième verset. Et dans l'autre version, donc les dix derniers versets, Allah va le procéder de l'antéchrist. Donc c'est la surat qu'il est, qui est conseillé de lire tous les vendredis. Et donc, à force de le lire, alhamdulillah, ou de l'écouter, on finira par retenir au moins les dix premiers et les dix, les dix derniers versets. C'est facile, Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les moyens de protection. Un moyen de protection qui nous a été enseigné, notre mère Aisha, al Allah, disait que le Professor ne, ne, ne finissait pas sa prière avant de demander la protection d'Allah contre quatre choses. Contre quatre choses. On a parlé la semaine dernière. Mardi dernier du châtiment de la tombe. Et là, ça fait partie. C'est la quatrième chose contre laquelle il demandait. À la fin de chaque prière avant le salam, il disait Allahumma inni a'oudhou bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min sharri fitnat masihid dajjal. Oh Allah, c'est demande protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe. On a vu ça la semaine dernière, contre les tentations de la vie et de la mort parce que la vie a des tentations, on le sait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et sans, malgré les tentations et qui ne rappelle musulmans, parce que personne n'est assuré de cela et les tentations de la mort au dernier moment, puisque Allah seul sait, c'est qu'il a déjà décrété 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre. Allah seul sait si nous serons, si nous serons malheureux ou bienheureux. Et ce qu'il a décrété va certainement se réaliser, mais il se peut que ce soit au dernier moment, comme cet homme qui a été à la guerre et que le prophète al lui a dit, a dit plutôt aux compagnons, celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qu'il voit cet homme. Ils l'ont suivi le premier jour et il s'est battu comme un lion. Et un des compagnons ne doutait pas de la parole du prophète al mais il se disait, mais comment celui-là va finir Ce n'est pas possible. Le lendemain, il a suivi à nouveau et voilà qu'il a été blessé. Il s'est suicidé. Donc c'était quelqu'un de l'enfer, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. et parce que celui qui se suicide, c'est la torture dans l'enfer avec ce par quoi il s'est suicidé. Donc contre le châtiment, contre le, les tentations de la vie et de la mort, et contre les mots des, des tentations de l'Antéchrist. Le prophète al nous a ordonné de demander protection auprès d'Allah Subhanahu Wa Taala à la fin de chaque prière contre ces quatre choses. Et donc cela, c'est bien entendu l'une des, des tentations que dis-je, peut-être la plus grande tentation, en tout cas la plus redoutée de ce bas monde. Un mot avant de passer à Jésus, à l'Islam, à sa descente, nous demandons, pourtant on n'a pas vu les grands signes. Le soleil ne s'est pas encore levé. De, euh, de, c'est la, la plus grande tentation. On n'a pas vu encore l'antéchrist, et on lui demande protection. Le prophète aislaté demandait. Protection auprès d'Allah contre l'antéchrist, contre ces quatre choses qui concernent tout le monde. Et donc les savants ont dit l'antéchrist, en réalité le physique, bien entendu, c'est cet homme-là qui va parcourir la terre en 40 jours, etc. Mais si nous demandons protection contre l'antéchrist, c'est également protection contre les maux de tous ceux qui peuvent lui ressembler, c'est-à-dire le faux et qu'Allah bénisse celui qui a dit, haqqa, haqqa, a. Allah, montre-moi la vérité, al-haq, mais vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a de la vérité qui peut être cachée, qu'on peut penser que c'est du faux, et permets-moi de la suivre. Il y a des gens qui connaissent la vérité, mais qui n'arrivent pas à la suivre. Et montre-moi le faux sous son vrai aspect, puisque souvent il est embelli, et permets-moi de m'en écarter. On voit parfois le faux, on sait qu'on est dans le faux, mais on n'arrive pas à s'en écarter. Et donc, euh, cela veut dire quoi Cela veut dire que il y a des choses qu'on nous montre, il y a des choses que nous vivons, il y a des choses donc qui ressemblent beaucoup à du vrai. En réalité, c'est du faux. Et on nous miroite comme des miracles, on nous montre comme des choses. Finalement, ça a amené beaucoup à abandonner la religion que Dieu nous en préserve, parce que, comme le disait Karl Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est que les gens qui ne comprennent pas, on les fait endormir, on les endort, on les endort et les scientifiques entre guillemets qui pensent avoir découvert que la science va tout résoudre, lisez en tout cas moi je vous conseille euh, un livre, la Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille. Donc qui est un livre qui a, il a comparé les versets coraniques et pas sataniques, les versets coraniques avec le la science moderne et donc il conclut dans ce livre qui a été publié qui a été un best-seller. Le livre le plus vendu, traduit dans toutes les langues du monde, qui a été édité dans l'édition SEGER, S-E-G-H-E-R-S, -E -E édition Séguerre, et donc en 1977. Ce qui parle, qui se croit scientiste, que la science a tout démontré. Cet homme donc, qui a reçu le prix de l'Académie de médecine pour avoir découvert que le pharaon qui euh, a vécu du temps de. de de Moïse hein, est mort de noyade puisqu'il a trouvé le stigma de noyade donc sur, son, sur sa momie. Et donc les gens qui connaissent que très peu pensent que la science a tout démontré. Et lui, il a fait il a appris l'arabe justement pour comprendre le Coran directement et pas une traduction. Il arrive à la conclusion qu'un Bedouin hein, du 7e siècle ne pouvait jamais décrire l'embryologie comme elle a, elle a été découverte hein, au 19e siècle. Il ne pouvait jamais parler de la pression atmosphérique quand Allah dit celui qui... N'a pas l'islam, son cœur est serré, serré comme s'il montait au ciel. À l'époque, il n'y avait ni ascenseur ni quoi que ce soit, encore moins les avions. Et quand il parle de la création quand de, des cieux et de la terre, etc., il a confronté donc Maurice Bucaille aujourd'hui mort, il a confronté donc les données scientifiques euh, des années 80 aux au 70-80 à ce qu'il a trouvé dans le Coran et il n'a pas trouvé une seule contradiction. Et combien de vérités donc, scientifiques que l'on trouve dans le Coran qui ont fait l'objet de, euh, de CD, de CD Rome, ou de beaucoup de livres qui ont été écrits et qui ont amené un certain nombre de gens à devenir musulmans. Alhamdulillah, Allah guide qui veut par ce qu'il veut. Bref, pour dire qu'il y a des phénomènes qui ont fait sortir des gens de l'islam parce que pensaient non non c'est pas possible la science démontre tout etc la science elle-même elle a été donnée à qui elle a été donnée par Allah la science la révélation c'est la vérité quant à la science je sais de quoi je parle c'est par approche bien sûr en, la science expérimentale en particulier démontre les choses mais ne crée pas on fait dire à la voisine rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme donc ce sont les matériaux que Allah a créés et il nous permet permet à l'intelligence humaine qui est formidable qui est extraordinaire de rassembler de comprendre le monde et essayer de le changer mais c'est Allah qui a tout créé comme il a dit dans la sourate 37 donc Safat verset 96 wallahu wa ma c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites Donc il y a beaucoup de choses de tentations que celui qui est à la foi douteuse mais ce sont des tentations de l'Antéchrist d'avant, avant, avant qu'il ne vienne lui-même. C'est le même type des prétentions fallacieuses, des choses qui sont embellies, et euh, comme si c'était du vrai, alors qu'en réalité, c'est pas le vrai. Le vrai, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al al-mubin, Le vrai évident. La vérité évidente. C'est l'un de ces noms subhanahu wa ta'ala. Donc l'Antéchrist, il va être tué. Allah a décrété. Que le seul qui va le tuer, ce sera lui qui se prétend Dieu, ce sera Jésus. Une parenthèse d'abord pour voir quelle est la place de Jésus dans l'islam. On en a déjà parlé dans des lives en particulier, consacré même au moins un live sur Jésus. Et si vous allez sur le site de la mosquée dans les vidéos, Jésus, fils de Marie, prophète de l'islam, c'est l'un des titres donc, de la vidéo, mais au juste, on va résumer, entre guillemets, ce que l'on en sait, la croyance de de l'islam, du musulman, donc par rapport à Jésus. Jésus est un prophète. Il fait partie des 124 000 prophètes. Que dis-je Il fait partie des messagers, des 315 ou 313 messagers que la terre a porté, les mères des hommes. Mieux encore, Jésus fait partie des cinq azm, les cinq prophètes de la détermination, qui sont dans l'ordre chronologique, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, car elle les bénisse tous. C'est le dernier prophète des fils d'Israël. Il est né sans père. Il est né sans père. Il est né de Marie, l'une des quatre meilleures femmes qu'elle a apportées. Quand elle était dans le Mihrab en train de prier, l'ange est venu la trouver et lui dire, oh Marie, je la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie. Et elle dit, mais comment aurais-je un enfant alors qu'aucun nom ne m'a touché L'ange lui dit, il en est ainsi. Quand Dieu veut une chose, c'est vu qu'il dit, soit et la chose elle est. Si je dis soi, et la chose elle est. Elle est tombée enceinte, et ensuite, quand elle va accoucher et connaître les douleurs de l'enfantement, qu'elle la fasse miséricorde à nos mères, euh, elle va amener ce petit dans son berceau, et les gens, bien entendu, vont la calomnier en disant que Marie est une prostituée. Oh Marie, comment as-tu pu commettre cet acte À l'époque, ça choquait, en tout cas, la fornication. Comment pouvais-tu. Comment peux-tu faire ça alors que ton père était un homme de bien et ta mère n'était pas une prostituée Elle a montré du doigt donc cet enfant qui dit Je suis Abdullah, je suis serviteur d'Allah il m'a enseigné le livre et la sagesse. Le livre, c'est la Torah Allah lui a enseigné aussi l'évangile, comme il le dit dans la Surah 61 en particulier.

Et Allah nous rappelle qu'il a été envoyé au Banu Israël comme tous les prophètes ont été envoyés à leur seul peuple. Et exception, la seule exception qui fait partie des cinq choses que Allah a donné spécifiquement au prophète Muhammad il a été envoyé à l'humanité entière. Les autres ont été envoyés donc à leur peuple. Allah dit notamment donc dans, cette, dans cette surah 61, verset 6, et également il le dit dans la surah 3, verset 49, quand et Issa a dit donc, au fils d'Israël, je suis un prophète envoyé vers vous. Il a été envoyé au fils d'Israël et Allah lui a fait faire des miracles. Il a non seulement parlé au berceau, mais également il a fait des miracles. Il a pris de la terre, de l'argile, il en a fait des oiseaux. Et il a mis l'âme dans ces oiseaux par la permission d'Allah, comme Allah le dit dans ce verset 49. Donc de la surah Al-Imran, surah 3. Et également Allah le dit à la fin de la surah. Donc 5 la sourate Maïda, la table servie, dans le verset 110. Rappelle donc au, au Jésus, rappelle-toi, quand on t'a permis de faire ceci, ceci, cela. Donc, euh, quand euh, c'est une des explications, d'ailleurs, qu'on l'appelle le Messie. Donc, Issa ben Mariam, le Messie. Parce qu'une des choses, c'est que quand il passait la main sur laveugle né sur le lépreux, sur donc, euh, un malade, la, 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 la personne guérissait par la permission d'Allah. Il disait aux gens ce qu'ils avaient chez eux. Et quand il s'est proclamé, proclamé prophète, ils ont voulu le tuer. Et il a appelé dans un très beau dire prophétique, il ne parlait pas de lui-même, Alayhi Salaam. Jésus, quand il a été cerné, quand ils ont voulu le tuer, il a dit qu'il veut prendre ma place, d'être devenu mon sosie, prendre ma place, et je, et je serai avec lui au paradis. Il y a un jeune homme qui a dit Moi. Il a dit c'est est authentique. Il a posé à nouveau la question c'est le même jeune homme qui a dit Moi. La troisième fois, il a posé la question, c'est le même jeune homme qui a dit « moi ». Alors, Allah l'a élevé. Allah l'a élevé il dit dans la sourate les femmes, surah Nisa, versets 157 à 159, il dit « wa ma qataluhu wa ma salabuhu ». Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Donc, Jésus est là où Allah seul sait. Mohammed l'a rencontré, alayhi al salatu lors de Isra wal al-mi'raj. Quand il est monté, honoré par Allah pour le consoler par la prière, il l'a rencontré au deuxième ciel. Yahya et son cousin... Donc Jésus... Et il dit... Jésus est un, est un homme... De taille moyenne... Donc il a les cheveux longs... Qui descendent... En dessous des oreilles... Et qui remplissent l'espace... Entre ses deux épaules... Il a le teint... Comme... Rouge... Comme quelqu'un qui vient de sortir d'un bain... Et... Donc il a les épaules... Larges... sera tout Donc Jésus... Est vivant... Il va descendre à la fin du monde, car l'antéchrist va s'aimer les deux sur la terre. Il va descendre, et il va descendre entre deux anges. On sait même où. Il va descendre à Damas, en actuelle Syrie, sur le phare ou sur le minaret blanc. Il va descendre au petit matin, il va trouver les musulmans en train de prier, et ils vont lui dire, "Fais la prière, il va dire non, vous êtes les imams les uns les autres. Il va tuer le porc, il va casser les croix, comme pour dire qu'il n'a pas été crucifié. Il va euh, abolir la jizya, donc l'impôt sur euh, les non-musulmans, et il acceptera donc à ce moment-là euh, que l'islam, mais il va bien entendu être musulman, puisque Allah a clôturé, a parfait ses bienfaits, a complété ses bienfaits sur nous, et nous, a parfait sa religion, nous a donné l'islam comme religion, comme il est dit dans la sourate 5, donc sourate Maïda, verset 3. Donc il va appliquer donc, les préceptes de l'islam, il va faire le pèlerinage, d'après Abu Hurairak, à l'agré, le prophète Allah sallam a dit, mais. Comment vous ferez quand le fils de Marie va descendre, il va faire la talbia, c'est-à-dire la baïk la pour la omra comme pour le hajj, donc il va faire la omra et le hajj et il va mourir. C'est ce que Allah a dit, qu'il est le seul le vivant qui ne meurt pas. Il va mourir, les musulmans vont prier dessus et donc il sera enterré dans la terre des prophètes, j'entends, dans la terre donc bénie de la Palestine. Il va être enterré là. De là également, il va être ressuscité comme les autres, la plupart, comme les prophètes plutôt des banous Israël, puisque tous les prophètes ont, tous les peuples plutôt ont eu des prophètes. Donc il va être enterré là. Quand Jésus va descendre entre deux anges, habillé de deux habits colorés, quand il baisse la tête, c'est des perles qui descendent comme de l'argent. Quand il les relève, son souffle, toute personne qui ne croit pas, cela atteint par son souffle il va mourir et son souffle va atteindre la perte de vue, c'est-à-dire son regard. Quand il va venir et qu'il va voir, donc l'Antéchrist, il va fondre comme du sel. Il va le poursuivre à la porte de Lude et il va le transverser et c'est comme ça qu'il va mourir, l'Antéchrist. Et c'est après, c'est sur ces faits que y a vont sortir, Gog et Magog. Ils sont cités dans deux endroits du Coran, que vous connaissez probablement. Dans la surah 21, Alhambiya, les prophètes, versets 96 et 97, Allah parle donc des Gog et Magog, et également beaucoup plus des versets 93 à 99 de la surah que vous lisez souvent le vendredi, c'est-à-dire la surah Al-Kaf, surah 18, où Allah raconte la pélégrination donc des donc l'homme aux, euh, aux deux cornes, entre guillemets, jusqu'à ce que... Donc, euh, on apprenne que... Gog et Magog sont derrière un barrage que Zul Qarnayn a construit et quand l'heure viendra, ils vont sortir. C'est ce, ce dont Allah subhanahu wa vont, euh, nous, nous parle. Ils vont s'aimer le désordre sur la terre. Ils sont tellement nombreux. Ceux, eux également sont des fils d'Adam. La preuve, c'est que le jour du jugement dernier, Allah va dire à Adam Adam sort la part de l'enfer. Il va dire que la part de l'enfer, Seigneur, on le dira sur mille de tes enfants. 999 seront en enfer, un pour mille seulement sera au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela Alors les compagnons, ils, vont, ils étaient effrayés. Il a dit, le jour où, c'est le jour où les enfants, les bébés auront les cheveux blancs. En effet, sur mille, s'il n'y a qu'une seule personne qui va aller au paradis, il y a de quoi avoir les cheveux blancs. Donc ils ont eu peur. Il a dit, j'espère que vous serez le tiers du paradis. Et ça les a rassurés, ils ont dit, Allah Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié du paradis. Il dit, ce jour-là, vous serez comme un poil blanc sur une vache noire ou un poil noir sur une vache qui est blanche. Et donc, il a dit, le reste, c'est les Gog et Magog. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont envahir la Terre et qu'ils vont traverser un lac qui est le lac Timériade qui est connu. Ils vont le traverser, le dernier qui va traverser va dire il y avait de l'eau ici. C'est-à-dire, les votes sont tellement nombreux qu'ils vont boire l'eau du lac et il, il n'y aura plus d'eau. Le dernier qui va se plaindre de soif, il n'y aura plus d'eau. Ils vont massacrer tous ceux qu'ils auront sur la route. Jésus et les croyants vont se réfugier sur les montagnes. Alors, quand ils auront massacré tout ce qui était à leur portée, ils vont dire on a tué tous les gens de la terre. Ils vont prendre des flèches et ils vont l'envoyer dans le ciel. Et Allah, dans sa miséricorde et dans sa toute-puissance, va faire tomber de la chair. Ils vont dire, on a tué également les gens du ciel. Et ils pensent avoir terminé quand Allah va leur amener des, des bêtes de la terre, donc des vermines, qui vont les manger. Et ils vont, ça va être leur putréfaction, Allah va tous les exterminer et ça va sentir mauvais. Ça va être nauséabond, insupportable. Et Allah a envoyé... Après que Jésus lui demandera de se débarrasser de cela, puisqu'ils avaient peur des Gog et de Magog, ils étaient donc dans le sur la montagne. Alors Allah va donc dire à Allah va envoyer des oiseaux qui auront des coups comme des chameaux qui vont les transpor, transporter les cadavres au loin, qui vont transporter les cadavres donc au loin. Et c'est à ce moment-là que Jésus va redescendre. Il va rester sept ans, d'après le hadith de Abdallah bin Amr bin As, pendant sept ans donc il va rester avec euh, avec, euh, sur terre, ça va être l'abondance. Allah va vouloir qu'il y ait beaucoup de pluie, beaucoup d'abondance. On ne trouvera même pas quelqu'un pour, pour accepter donc, euh, sa zakat à ce moment-là. Euh, le lait d'une seule, seule chamelle peut suffire à un, à, à, à un très grand groupe. Le lait d'une seule vache peut suffire à toute une tribu. Voilà, ce sera l'abondance. Il va rester sept ans. Comme il, est monté, comme il est remonté à 33 ans, il va mourir à 40 ans. Et donc, les musulmans ont prier dessus. Ça, c'est donc euh, l'un des grands signes de la fin du monde. Euh, donc, on a vu les signes donc, de l'approche, qui sont les quatre. On a dit, le premier signe, c'est l'arrivée de l'Antéchrist, hein, qui va être tué après la descente de Jésus. Allez, tout lui aussi, il va mourir. Mais entre-temps, Gog et Magog vont descendre. Et, et ensuite, donc, il y aura la fumée. Et plutôt, il y aura la fumée. Et donc, euh, qui va, ou le feu plutôt, qui va sortir, feu et fumée, qui vont sortir dans des haleines pour amener les gens vers le lieu de rassemblement. Et donc, ce sera à ce moment-là qu'on va souffrir dans le corps et ça, on le verra, incha'Allah, plus tard. Une question donc qui est a, qui a posée, comment faire face à l'entêtement des gens lors des rappels avec des versets explicites et on nous retorque que tout est une question d'interprétation et de compréhension des profondeurs des versets et que Allah n'est que miséricorde. Mais est Allah est miséricorde, mais il est également dur le châtiment. S'il est tout miséricorde, ce qui est vrai, sa miséricorde est infinie. Nous avons dit, et les preuves sont là, à 999 sur 1000 des fils d'Adam iront en enfer parce qu'Allah est juste. On ne peut pas imaginer, mes sœurs, mes frères, on ne peut pas imaginer un seul instant que Allah laisse l'injustice que nous subissons, l'injustice que les gens ont subie à cause de leur foi, l'injustice des injustes, qu'Allah va les laisser sans les punir. C'est impossible. C'est impossible. Allah est juste. Il dit en particulier dans ce hadith que vous connaissez, Qudsi, des Aboudar. Qui est consigné dans le Sahih L'authentique des musulmans Mes serviteurs Je me suis interdit l'injustice Et je l'ai rendu interdit entre vous Ne vous faites pas injustice Qui va, Comment tu vas consoler L'opprimé Le professeur Salama a dit Attention à l'invocation de l'opprimé Mon frère, ton épouse Qui passe la nuit à, à pleurer Tes enfants qui se plaignent de toi tes voisins qui se plaignent de toi. Attention à l'invocation de l'opprimé. Entre lui et Dieu, il n'y a pas de voile. Allah lui répond. Je te répondrai. Je, 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 je te vengerai. Même si ça prend un certain temps. Miséricorde, certes. C'est-à-dire qu'on va faire sur la terre ce qu'on va faire. Et puis ensuite, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de châtiment. Il n'y a pas de réparation. Si. C'est le jour où la... Le bélier qui a des cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui n'a pas de cornes dans ce, bas, dans ce bas monde, le bélier qui n'a pas de cornes dans ce bas monde, au jour du jugement dernier, va demander à Allah de le venger parce qu'il a été maltraité par le bélier qui a des cornes. Allah fera que le bélier qui n'a pas de cornes va prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes et ensuite ils vont devenir poussière. Cette femme qui est en enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une femme qui avait une chatte. Non seulement il ne lui a pas donné à manger et à boire, mais en plus elle a séquestré la chatte par injustice, par méchanceté, la chatte est morte. Et j'ai vu cette femme en enfer, la chatte est en train de se venger. Comment imaginer un Dieu juste et il est juste et miséricordieux? Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis sans la miséricorde d'Allah, par ses actes, a dit le professeur. On lui a dit même toi, il dit même moi si ce n'est pas la miséricorde d'Allah. Aucun de nos actes, c'est lui qui nous l'inspire, c'est lui qui nous a montré, c'est lui qui nous guide vers le bien, c'est lui qui ensuite l'accepte. Comment on peut penser que nos actes vont nous amener au paradis Certainement pas. C'est la miséricorde d'Allah. Il dit même toi, il dit même moi. Mais moi, je ne rentrerai pas au paradis, sachant que la miséricorde d'Allah qui est infinie, comme les gens le disent, mais ils oublient une partie, c'est que sa justice est parfaite. Et elle est basée sur quoi sur sa sagesse et sur son omniscience. Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties, a dit le prophète. Il a divisé sa miséricorde en 100 parties et il a fait descendre une seule partie de cette miséricorde. Il a gardé les 99 auprès de lui au jour du jugement dernier pour nous pardonner. Mais ça, on en reparle 99 parties qu'il a gardées pour nous pardonner parce que sans son pardon, nous sommes tous perdus. Personne ne sera sauvé. Mais Allah a décrété qu'il va sauver les croyants. Et donc il va les pardonner. La seule partie qu'il a fait descendre dans ce bas monde, depuis qu'il a créé, jusqu'à la fin de ce bas monde, c'est de cette miséricorde que procède Ali le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une jument, quand elle met bas, elle lève le pied pour ne pas écraser son poulet. Oui, Dieu est miséricordieux. Quand nous commençons, qu'est-ce que nous disons, bismillah, rahmanir rahim nous commençons par le loup, par l'évoquer évoquer invoquer le, celui par qui tout arrive qui ne fait que le meilleur Bi-ismillahi » par le nom d'Allah le miséricordieux par essence et par excellence certainement mais ensuite qu'est-ce que nous disons Alhamdulillahi rabbil alamin les louanges appartiennent tous en exclusivité au Seigneur des mondes Ar-Rahman, Rahim, encore lui, le miséricordieux. Et après, on dit Maliki Omidine, le roi du jour du jugement dernier. Il y aura un jour, c'est ce qui nous préoccupe, qui doit nous préoccuper. Et quand on parle, donc, dans cet épisode de la fin du monde, c'est parce que on doit redouter, on doit travailler, on doit sortir du laxisme, de la, de la torpeur, pour se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'Allah est juste. Parce qu'il est juste. Il ne va laisser aucune injustice non réparée. N'as-tu pas lu les versets 7 et 8 de la Sourate 99 Zal -zala. Allah dit Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Alors tu crois une partie du livre et tu ne crois pas l'autre partie. Les deux vont de pair parce que Allah il est miséricordieux. Mais il est également juste. Et sa promesse est vraie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde dans ce bas monde avant le delà. Nous demandons de nous préserver du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer. Et lui seul peut le faire. Nous demandons de nous protéger des fitans des tentations, de. La vie d'ici-bas que ces tentations ne touchent pas notre religion. Voilà ta diyal le prophète Ne met pas nos tentations, nos malheurs dans notre religion. Dans ce bas monde et également dans l'au-delà, nous lui demandons également donc de nous préserver de tout ce qui peut s'apparenter, de près ou de loin, au mal des tentations dues à l'Antéchrist, de ses affabulations, de ses charlatans, de ces tromperies qui prendront fin, certainement, avec la fin donc, de ce bas-monde. Qu'Allah bénisse celui par qui il a déversé un surcroît de miséricorde sur les univers. Je vais nommer Mohammed Ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse votre nuit, bénisse votre temps et vous préserve des tentations de l'Antéchrist comme les tentations de l'enfer et les tentations donc de la tombe et les tentations de la vie et de la mort. Qu'Allah bénisse donc ce prophète par qui il nous a... Montrer, il nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, de la foi et de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse aimer, nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, les prophètes, les véridiques, les témoins et également les gens qui font du bien. Et quelle belle compagnie. Qu'Allah nous les fasse aimer, qu'Allah nous fasse aimer également les actes en leur prenant donc comme référence leurs actes de bien, dévoués, désintéressés, des actes d'amour. جبروشا بعد عزيز الأمور دنك الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أَمَّا يصفون وَالسَّلَامُ على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته